Sais-tu que congeler un œuf est vraiment le meilleur moyen pour le frire? Après avoir retiré la coquille, j'ai juste à le plonger dans l'œuf battu une première fois, puis ensuite à le mettre dans la farine et à le recouvrir. Et ça, je le répète à deux reprises. Hop, à nouveau dans l'œuf battu, puis à nouveau dans la farine. Et une fois que j'ai bien recouvert l'œuf battu, je vais pouvoir tout simplement l'amener sur une poêle où j'ai fait frire de l'huile et je vais le laisser comme ça quelques minutes. Ok, le travail est terminé, je l'égoutte un petit peu et je vais venir le ramener ici. On va tout de suite tester le résultat. Bien croustillant à la surface, mais voyons tout de suite s'il est bien coulant à l'intérieur. Ok, il en a tout l'air. Parfait. C'est exactement le résultat que je recherchais.